have an idea because we're going to almost to break at the moment. Can we have the team that are going to participate? Bonjour. Yes, bonjour. Chez les messieurs, nous aurons déjà au couloir 1, la Damawa. Au couloir 2, nous aurons le littoral. Au couloir 3, nous aurons l'extrême nord. Au couloir 4, nous aurons l'est. Au couloir 5, le centre. Le couloir 6, le nord. Et le couloir 7, le nord-ouest. Ça, c'est pour les messieurs. Pour les messieurs. Et pour les dames, oui. Pour les dames tout à l'heure, nous avons au couloir 1, le sud. Couloir 2, le centre. Le couloir 3, l'ouest. Le couloir 4, le littoral. Le couloir 5, le nord. Le couloir 6, la Damawa. Et le couloir 7, l'extrême nord. Yes, Silas, you watch this competition. Go on. You watch the competition, go on. Well, can you tell me which are the tendencies? Who can easily win a gold medal here? Oui, dans le chez les messieurs déjà, nous avons deux gros prétendants là, qui sont l'extrême nord et le centre. Bon, l'est n'est pas aussi en reste. Chez les dames, nous avons également le littoral et l'ouest, qui sont talonnés de près par le nord. Je pense que ça va être une finale vraiment relevée au niveau du 4x100. Yes, Serge, just we are playing the last few minutes of the encounter here, of the first half here. Gideon? You may have a question. Yes, Fon? I want you to ask your technician downstairs which particular event in athletics he thinks is the most exciting. Well, Silas, mes commentateurs en haut là demandent quelle discipline, analytisme, pensez-vous est plus excitante, a plus d'animation? Oui, mais généralement, les relais sont les meilleures disciplines que tout le monde aime voir. Je pense que dernièrement, le colonel Kaka, qui est le président du comité olympique, a fait les déplacements. It is a 4x100 meters. I've told everybody it's 4x100 meters. Compétition, Silas, on a noté une domination totale de la province du centre à ce qui concerne le course et le concours, beaucoup plus au niveau du 200, du 800 et même au niveau du 100 à hauteur. Oui, vous savez, une domination de la région du centre, parce qu'au centre, nous avons beaucoup de spécialistes. Tout à l'heure, je faisais un commentaire avec un de vos confrères et à qui je disais que dans les régions, on a des difficultés. Généralement, les entraîneurs régionaux ont des difficultés à avoir de la documentation et à être recyclés. Pourtant, dans la région du centre, on a beaucoup d'experts. On a déjà des cadres qui sortent fraîchement d'INJS. On a des cadres qui sont formés par l'IAF directement. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération, il va falloir faire un travail pour pouvoir déjà mettre à la disposition de certaines régions des cadres pour le recyclage des entraîneurs régionaux. Je pense que ce n'est pas un fait de hasard que le centre ait pu remporter autant de médailles en athlétisme. Une petite colle, Gideon Tazo. Est-ce que vous connaissez Djoumessi Fernand? Oui, bien sûr. Djoumessi Fernand, c'est le sauteur en hauteur qui a gagné la hauteur. Il a fait combien, quelle performance au cours de cette compétition? Puisque moi, je connais bien sa performance. 95, et je vous rappelle que c'était en ciseaux. Et il faisait à peu près 5 foulées d'élan seulement. Et je pense que pour un garçon comme celui-là, si on travaille très bien son first brief flop, avec une course d'élan complète, il devrait prendre au minimum 2,20 m. Je vous ai posé cette question parce que je voulais savoir ce qui est réservé pour ce garçon au cours de cette année. Oui, je pense déjà que... Tu peux dire l'année 2009. Oui, en 2009, je pense que déjà au niveau des compétitions internationales de sa catégorie, je pense que la fédération il sera sélectionné déjà. Et si je ne suis pas encore dans le secret des dieux en ce qui concerne l'équipe olympique, je suppose que le DTN a dû le retenir déjà pour la sélection olympique. Voilà, Fonetie qui est Pierre Lebon Elanga, à vous. Merci Serge. Merci Gideon. Il faut quand même se dire, Fonetie qui est, j'ai bien suivi le président du comité national olympique qui a dit qu'après ces jeux, tous les meilleurs seront retenus et bénéficieront certainement de bourses. Alors que l'extrême nord est en train de mener une descente qui peut déboucher sur quelque chose. Non. L'extrême nord toujours sur le ballon. Touche. On revient donc à ce que disaient nos amis en bas. Les meilleurs après ces jeux feront l'objet d'une attention particulière.